Europe. Europe 1. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Cette semaine, vous avez décidé de nous parler, j'ai un peu annoncé, du Beer Test. Pardon pour l'accent, ce sondage réputé aux États-Unis qui demande avec qui auriez-vous envie de prendre une bière ? Et vous nous en parlez car il vient d'arriver en France. Exactement. Jeudi dernier, l'info est tombée dans le Figaro et puis dans tous les médias. 44% des Français aimeraient boire une bière avec Emmanuel Macron. Il est en tête du sondage devant Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Laurent Wauquiez, lui, est en queue de peloton en 10e position. Alors vous allez me dire à quoi ça sert le Beer Test. Eh bien aux États-Unis, il revient à chaque campagne présidentielle pour opposer le candidat républicain au candidat démocrate. Et il sert à mesurer le likeability factor, c'est-à-dire le degré de sympathie, de convivialité qu'inspire le politique. Et figurez-vous qu'Obama s'en serait servi pour sa stratégie de com' en 2012 contre Mitt Romney, qui ne buvait pas une goutte d'alcool. C'est Pierre Alibert, cofondateur de l'agence Coriolink, à l'origine du Beer Test français, qui l'explique. Barack Obama, dans sa stratégie de communication, et notamment, vous savez, dans les états, dans les fameux états clés, est allé regarder là où il y avait plein de microbrasseries. Et on s'est aperçu que finalement, les indécis étaient notamment ceux qui avaient bu le plus de bière dans les derniers jours et que finalement, c'était une population à travailler. Barack Obama est allé chercher une population, ce qu'on peut appeler entre guillemets l'homme blanc adepte des microbrasseries qui votait habituellement républicain. Et que ces 1 ou 2% qu'on peut gagner comme ça, bah, parfois on sait que ça peut faire une victoire en politique. Il dit parfois, ça marche pas à tous les coups. Bah non, en France, le dernier qui a joué la stratégie de la bière, c'est Alain Juppé, pendant la campagne, avec les jeunes militants. Il s'était prêté au beer pong, un jeu, alors là, c'est encore américain, où il faut jeter une balle de ping-pong dans un verre de bière. Et si tu rates, tu bois. Évidemment, on devine de qui Juppé s'inspirait, le roi de la bière inégalé sous la 5e République. Jacques Chirac ne goûte pas son plaisir. D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. Bon, tout ça pour vous dire, Philippe, que le Beer Test et la stratégie de com qui en découle ne sont pas si futiles que cela. Et c'est pour ça que Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, a accepté d'importer ce sondage. On sait très bien que les Français attendent avant tout d'un homme politique des résultats. Le fait qu'il change la vie, comme on disait à l'époque de François Mitterrand. Pour autant, la question de la proximité identificatoire. Est-ce que cette personne me ressemble? Est-ce que j'ai envie de boire une bière avec elle? C'est une autre manière de saisir l'opinion. Mais je pense que ce type d'enquête, comme les enquêtes de popularité classique, intéresse beaucoup de politiques. Une des rares, pour l'instant, critiques exprimées ouvertement vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il se soucie vraiment du quotidien des Français ? N'est-il pas un petit peu déconnecté ? C'est le piège. Le prochain Beer Test devrait être organisé pour les élections européennes en 2019 et peut-être même avant. À consommer avec modération, les bières et les sondages. Europe. Europe 1.